gros tension dans le village de Dieu, dans mi-temps monsieur yo, qui au même gros conflit pété entre yo, côté que bandits au niveau zone Cordor, il y a un chef qui a dirigé zone ta, nous n'a binano pour et côté que il y a un conflit qui pété là, et ben chef Cordor actuellement là, soldat le fils de monsieur. Et côté que, après, une fusée, monsieur, et il y a trois autres soldats encore, boum, et pété, une fusée l'autre, côté que, il y a environ 4 bandits dans le village de la Jamla qui arrivaient, et dans le conflit, qui arrivaient tomber, même la police qui fusionne, c'est escombri qui pétait, c'est division qui pétait dans le village de Gué, et bien, côté que, justement, et plusieurs bandits déjà perdu l'avion en ce qui concerne le moment de parler là. Parce que la compliqué, côté que, il y a un groupe qui a jeunement l'eau, mais nous connaissons. Parce qu'il y a avec Izo, village de Dieu, M. qui toujours fidèle à elle, malgré M. déplacé qui était basé à Jimmy, et bien il y a quelqu'un qui a jeune Izo, il y a quelqu'un qui a jeune Manno, ça veut dire que nous n'avons pas été là, et il y a un gros profil dans le village de Dieu, entre les bandits qui ont même abgoumé entre eux, échange coup de gamme, et trois bandits sont tombés à Jimmy, et bien M. Manno boulé, passe en bas du fait, donc voilà la réalité au niveau du village de Dieu, donc nous avons information de première main, après, l'autre média, il parle du bourré, difficile. Donc, c'est ça l'information au niveau village de Dieu. Ça veut dire que il y a gourmet pour pouvoir, il y a gourmet pour capable diriger, pour capable contrôler les zones. Mais c'est ce certain, bagaille pas petit, mesdames et messieurs. Monsieur, ça a plus mal que bête, il y a plus mal que les animaux. Son équipe bête sauvage, Jean-Luc Mandel, qu'on a dit là, la preuve. Well, ça veut dire que là, nous, même entre eux même là, il y a pas les armes, il y a tiré l'autre. Pas oublier son équipe bête. Je nous dis là, yo sous drogue, yo sous série de gros drogue dure, les gens ça cerveau yo pété. N'a pas tant de bagaille yo mesdames messieurs, c'est pas un petit bagaille qui petit, je nous dis, l'Éternel a frappé yo sous toute forme, bandit ça yo. Et nous te dit lui, nous te lancé message là. Nous te dit monsieur, ou même qui des armes dans nos mondes, ou pas gain raison pour mourir pour vieux Izo, ou pas gain raison pour mourir pour vieux Manno. Pour vieux il a pris, monsieur ça qui qu'on a bon l'ordre, c'est au cap mourir, c'est au cap prendre devant, c'est au cap victime, monsieur nous venons au moment, faut nous prendre zam nan, tourner contre Izo. Izo pas qu'à cacher, le sac cob, charger l'argent, monsieur charger bijoux, la bien mené, pendant ce temps c'est au même comme petit soldat, et qu'on s'allie wow, du wow comme petit soldat le voit mourir, comme crétin ou aller vraiment, monsieur Janoudil, prends zam nan, virer le contre chef yo, et puis c'est ça qui a passé là. C'est ça nous qui a passé là, nous tranquillement. C'est ça qui a passé là. Oui, frère Pam. Bon, dis-moi nous comment dire en ce qui concerne conflit qui PTA. Et actuellement là, c'est essentiellement nous là qui gagne leadership village de Dieu après qu'ils ont lui-même les prennent en fuite. Plusieurs soldats décident d'être fidèles dans le groupe Izoa et plusieurs soldats qui ont même dans le groupe Izoa décident de traverser actuellement nous. Il y a une cause qui fait des conflits, qui fait environ 4 bandits tomber dans le mitan de là, c'est par rapport à conflit. Le gros chef Sadini qui arrive à tomber là, premièrement, il a mis son coup de poule, bon deuxième soldat qui est venu remplacer monsieur, et bien il a mis son coup de poule, quand il s'est tombé, et bien après, et bien parti dans le gros chef là, il arrive à fusiller l'autre 3 soldats. Donc, nous voyons des zones comme d'or, c'est sous même bon avec l'église de Dieu de la prophétie, dans la même zone ça, et bien c'est là monsieur qui a gouverné. Actuellement là, la police quand même qui est arrivée, plus ou moins des contrôles, et zone comme doit à cause conflit pété, et Grèce, mais c'est au Casera qui est en train de net, mais nous avons dit actuellement là, et là on parle de Cordon, Cordon c'est un qui va contrôle à Grand-Rouya. Donc pour le moment actuel, et avantage quand même pour la police, parce que monsieur là, il arrive conflit, avec pété en Amitayo, et il y a une touille l'autre, et ça vient d'avantage quand même, parce que c'est une très bonne information, en ce qui a fait avec les puissances de bandits qui continuent à diminuer le pays d'Haïti, et ça qui vient d'accès quand même, et ça qui vient plus d'avantage à la population, à monde de victoire sauté, les bandits fini. Et nous sommes capables de diminuer de l'autre côté. Nous sommes parlés en pile piège, en pile tout fouillé. La demandé à chef policier, fait très prudent, très attention, parce que pendant Ariel Jimmy à l'OCAP, pendant plusieurs policiers qui sont en bas, ils sont obligés à l'OCAP, eh bien, monsieur, profitez des circonstances-là, monsieur, il y a des nouveaux arbres qui construisent, il y a des pièges qui tendent à tout fouiller. c'est vraiment dangereux. Et nous croyons tout demi, après information de gain, policiers ont toute information de pièces, ils n'ont pas porté bourré. Et en ce qui a trait avec pénétration, fait très attention, appliquer beaucoup de prudence qui fait que pas qu'on ait policiers qui vivent dans le cadre de village, parce qu'on a bien bon en l'air, ils ont bien contrôle zone. Donc c'est un très beau comportement du côté de la police jusqu'à présent, qui a bien comporté dans le village de Dieu, qui ont même décidé, ils n'ont pas perdu, frère Damio, parce que c'est un très beau comportement. Exactement, et j'en ai dit là, mesdames et messieurs, la police, nous connaissons au courant déjà, mais il est important que nous-mêmes qui dans les médias, pas bien nous toujours dit, c'est bon côté de la police que nous campons et n'a toujours campé. Et donc, monsieur prudent, pas prendre rien à la légère, et surtout que nous connaissons que un policier qui à peine mourir là, monsieur il est en colère, il est en frustration, il est en vle pour te bourrer, n'a dit la police, monsieur prêtons nous pour nous bien mener l'opération, gens qui n'a mené là. Mais donc question trou piège que monsieur a fait, il a doublé là. Yo doublé. Donc la police mettez grand monde sous, mettez discipline sous, et puis pour nous mener opération, pour nous continuer vider bandits à terre, pour nous continuer boire calé. Mais j'en dis là non, eh bien faut que la police prudent, mais l'essentiel yo au courant, yo connaît, mais comme nous-mêmes nous obligés de dire pour yo tendre, parce que au cas où si jamais yo t'a voulu prendre ça à la légère, parce que service intelligence là travaille de toute façon, toutes gens. Et mais j'en dis là non, sans pile trou, monsieur au fouillé là. Oui, dis-nous comme on dit, jusqu'à présent, la police qui est même toujours présente dans les parages de village de Dieu, mais sauf que nous sommes dit ça très bien, pendant toute focus sous Cap Haïtien, eh bien, bandits ont profité de ça pour qu'ils multiplient des pièges. Mais pour le moment actuel, qui est capable dans le village de Dieu en ce qui concerne policiers vis-à-vis des bandits, et policiers toujours présents. Il y a plusieurs tactiques et il n'y a pas décidé de donc quand même jusqu'à présent c'est une très bonne nouvelle quand même pour de la police qui a pris les bagages, qui n'a pas décidé de baisser les bras, qui a mené l'opération et concernant les gens qui t'a reconnu qui sont capables de village de Dieu. Donc jusqu'à présent Jimmy, et c'est une très bonne actualité au niveau village de Dieu quand même, la police n'a pas décidé de baisser les bras. Très bien. Et puis pendant ce temps, mesdames et messieurs, pendant Nabdou que justement, bandits, ils ont tué l'autre, ils ont mangé l'autre, et au contraire, nous-mêmes, nous comptons pour ça, même, nous comptons. Mais bref, eh bien, population, beaucoup de parle, continue à lancer mouvement Bacalé, hein. Il y a une qui victime, et matin, là encore, et là, non. Oui, effectivement, et mesdames et messieurs, nous permettre que nous-mêmes, nous allons permettre de garder ce texte, ça, bien que nous essayons de modifier. Et image là pour, eh bien, bois calé pire matin là pour journée vendredi là, et bon côté population hein, qui prend yon bandit village et base 5 secondes, eh bien, mesdames et messieurs, sans plus tarder, eh bien, ben nous évitons tant de tirs extraits ça dans même cadre opération et bandit qui a tombé à droite à gauche, population qui a cherché voler ça yo, eh bien, oui, il y a une qui tombé matin là encore, et là, par contre, sous là, nous allons attendre son nom. Allô, allô? Oui. Bon, je me l'ai dit, mouvement Bois-Caléa qui est toujours actif, contrairement à monde qui pensait, comme si la population est vague, les gens qui attendait pendant les dernières 24 heures de temps, et nous partons de nouvelles de Bois-Caléa, et bien Bois-Caléa est toujours continué. Il faut de la commune Thomastique, département centre, dont bandit là, qui t'a tenté. Quitter Basizo, Bassin Seconde là. Pendant la police a fait l'opération, pendant que a tombé, il y a tout décidé de dire dans le pays. Il dit, il y a une sous-poste, qui ça a fait, il y a des amenants à terre au courrier. Il a fait abandon de poste. Parce que monsieur regardez là, comme Jean-Mou Bakalia, image Mou Bakalia, Boybayo là, monsieur au père. Eh bien, bandits a déjà quitté le village. Il est entré dans le département centre, commune Thomastique, il est entré dans le pays, population contre elle, il est passé dans le mouvement Bois-Caléa, coup de roche, coup de bâton, coup de manchette, il mettait du feu sous lui. Et puis, nous connaissons cette photo vidéo là, nous pouvons montrer l'auditoire là, concernant ça, bandit qui est tombé dans le cadre du mouvement Bois-Caléa.